Comme tous les matins, Terry Tahi fait route depuis Paea pour rejoindre Afaiti. Là, il récupère ses travailleurs afin de monter à la ferme familiale. Mais avec le Covid-19, le mode de fonctionnement a bien changé. C'est une entreprise familiale, hein, moi avec mes deux petits frères. Mon rôle à moi, c'est plutôt tout ce qui est commercialisation. Après, tout ce qui est point de vue le fonctionnement de l'exploitation, au niveau du travail, au niveau du déroulement. Et le plus important, c'est le roulement. Nous sommes dans une période creuse, hein, comme toutes les années. C'est une période où il n'y a pas de légumes. Donc on a monté les prix de légumes à un moment donné, parce qu'il fallait survivre, hein, fallait faire survivre l'exploitation, sinon on allait partir en faillite aussi. Hein. Après, juste pendant cette période de crise, je pense que tous mes compatriotes, agriculteurs, c'est pas évident dans le sens où pas beaucoup de légumes, hein, dans les salaires des employés ça ne baisse pas, les charges ne baissent pas. Dans cette période de crise humaine, on n'a pas le choix, il faut s'adapter à la population, à savoir ils n'ont plus de boulot, beaucoup, ils ne travaillent pas. On s'est dit à ce moment-là qu'on suit le système, on fait descendre les prix. On fait descendre les prix, mais légèrement, doucement, mais d'une façon aussi qu'on soit aussi adapté aussi par rapport à nous. À partir de la plantation de la graine jusqu'à la partie de la récolte, il faut à peu près en gros 3 mois. En 3 mois, tu dois l'entretenir. En 3 mois, ça coûte très très cher. Donc voilà, on essaie quand même de maintenir un bon prix, adapté à tout le monde. Et voilà, et que tout le monde soit content, c'est le principe. Hein. La récolte se termine sur le plateau et le lendemain, c'est au lever du jour que Terry Tahi se charge des livraisons en ville. Pour l'agriculture, il faut se lever tôt avant le soleil. Parce que moi, je me lève à 5h du matin. Je pars au champ, je fais ma récolte, j'arrive chez moi aux alentours de 7h30, 8h du soir. Et le lendemain matin, on fait pour la livraison, on se lève à 2h du matin. Hein, ça va, c'est 2h du matin qu'on se lève et on se prépare et on quitte la maison aux alentours de 2h30 pour partir vers la livraison. En cette période de crise, soyez sérieux, hein. Les consignes ont été lancées et puis après, consommer local.